Si est-il le retour en force d'une actrice marquant de la fin des années 1990 et du début des années 2000. Élodie Boucher sera à l'affiche de pas moins de 7 films cette année, « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Herry, Simone, « Le voyage du siècle » d'Olivier Dahan, « Amour et moi » de Guillaume Gouix, « Hawaï » de Mélissa Drijard, « Un hiver en été » de Laetitia Masson, « En attendant la nuit » de Céline Rouzet et « Connemara » d'Isilde Lebesco. Élodie Boucher a commencé très tôt dans le cinéma, à seulement 16 ans. Et sous la caméra de nul autre que Serge Gainsbourg. Le chanteur l'a choisi sur photo pour incarner l'adolescente de son sulfureux et dernier film, Stan the Flasher, sorti en 1990. La jeune actrice y incarne l'élève d'un professeur d'anglais exhibitionniste. Mais, dans la dernière année de sa vie, Serge Gainsbourg veut aussi pousser Élodie Boucher à chanter. Une voie que l'actrice n'a pas voulu suivre. On a essayé, souffle-t-elle 33 ans plus tard dans une interview à nos confrères du Parisien. Serge Gainsbourg et les femmes de sa vie Élodie Boucher, ses rôles dans deux séries américaines cultes malgré cette expérience avec une star de la chanson habituée à faire émerger de jeunes talents, Élodie Boucher ne donne pas suite à son aventure musicale. Alors peu convaincue par sa voix chantée, la jeune actrice n'est pas particulièrement attirée par la célébrité que peut lui amener l'intérêt et l'aura de Serge Gainsbourg. J'avais un peu ce fantasme de l'acteur de théâtre, qui travaille sans cesse, dans l'ombre, sans être une vedette, se souvient-elle pour Le Parisien. La célébrité va pourtant la frapper de plein fouet 4 ans plus, avec la sortie en 1994 du film d'André Téchiné Les Roseaux Sauvages. Un rôle qui va valoir à Élodie Boucher le César du meilleur espoir féminin. Alors au cœur de l'attention des médias et du monde du cinéma, l'actrice va refuser des rôles qui lui auraient permis de surfer la vague de la célébrité, mais qui ne lui plaisent pas. Cette exposition internationale la fera cependant apparaître dans deux séries américaines cultes de la fin des années 1900 et du début des années 2000, alias The L Word. Crédit photo, Koadik Girek,